Bienvenue dans le Top Web, consacré cette semaine aux meilleurs posts des sportifs sur les réseaux sociaux. Numéro 5, Andy Murray. La vie de tennisman professionnel donne l'occasion de voyager. Andy Murray en profite pour donner de bonnes adresses de restaurants à ses followers et pour lancer des débats gastronomiques. Je viens de finir mon meilleur repas de l'année. Si vous passez à Rome, la Taverna Trilussa, c'est scandaleusement délicieux. La cuisine italienne serait-elle la meilleure au monde ? Numéro 4, Rio Mavuba. Auteur d'une excellente saison avec le LOSC, Rio Mavuba pouvait légitimement postuler à une place dans la liste de Laurent Blanc pour l'Euro 2012. Raté, du coup, il gère à sa manière la déception. C'est bon, j'ai pété un câble. Numéro 3, Sergio Ramos. L'Espagnol avait subi les moqueries du gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, après son pénalty manqué en demi-finale de Ligue des Champions. Sergio Ramos ne s'est pas fait prier pour régler ses comptes avec l'Allemand sur Twitter. Après la défaite du Bayern en finale au tir au but, Ramos postait « Je ne savais pas que les finales réussissaient aussi bien à Manuel Neuer. Une autre fois peut-être. L'humilité, toujours l'humilité, champion. » Numéro 2, LeBron James. Les stars du sport n'hésitent pas à s'entraider. La preuve avec le MVP de la saison de NBA qui fait la promo de la gamme de draps lancée par Serena Williams. Apparemment, ils sont indispensables pour bien se reposer avant les playoffs. Et ça paye. J'ai les miens pour les playoffs, a-t-il répondu au tweet de Serena. Ma nouvelle gamme de draps est disponible chez Walgreens. En tête de notre top web, Rafael Nadal. L'Espagnol s'est canalisé la frustration d'une finale reportée à cause de la pluie. C'était au Masters de Rome. Nadal a passé le temps, tranquillement, en jouant au billard avec son staff. Il s'est empressé de partager l'info avec ses fans. En attendant qu'il s'arrête de pleuvoir à Rome pour pouvoir jouer la finale.